Chaque soir, dans ce restaurant japonais de la capitale, la cadence monte d'un cran. Les commandes arrivent par téléphone en cascade. Le repas prêt, il ne reste plus qu'à acheminer la livraison aux clients via le service propre du restaurant. Avec la baisse des températures et la situation épidémiologique, la livraison à domicile explose. Idem pour les repas à emporter. Les commandes atteignent un pic en période de fête, de vacances et en fin de semaine. Un filet de poisson, un mini tacos. Changement de décor. Dans cet autre restaurant de Rabat, les sollicitations ne s'arrêtent pas. Téléphone, internet ou application, les nouvelles technologies sont un moyen privilégié pour passer ses commandes. Merci à vous. Nous offrons plusieurs types de menus, marocains, espagnols, asiatiques. La plupart de nos clients optent pour des plats méditerranéens, mais nous faisons un peu de tout. El japonais y la gente, bueno. Ça me répond ? Oui, bonsoir, Asie. Oui, c'est bien. La livraison à domicile touche même des plats typiquement traditionnels comme rfissa. Visiblement, les traditions sont en train d'évoluer. En plus de travailler avec des sociétés de livraison, ce restaurant fait appel à des livreurs travaillant pour leur propre compte. Livraison, c'est quelque chose de normal. Le delivery est devenu très sollicité. Les clients commandent des repas à livrer sur le lieu de travail pour apporter un repas à leurs enfants. Le télétravail a aussi favorisé ce mode de consommation. Les horaires de pic sont l'après-midi, de midi à 15h, et le soir à partir de 20h. Le segment de livraison de repas devait atteindre 2,6 millions d'utilisateurs l'année passée. Même avec l'allègement des mesures restrictives, ce nouveau mode de consommation est très prisé. Le food tech semble avoir de beaux jours devant lui. Allô, salam alaykoum, lala. Hier, on est au sol, on est là.